Le papillon adulte pond des œufs au printemps, au début de l'été, sur les feuilles de plantes. C'est la ponte. En été, l'éclosion a lieu. De l'œuf, une larve émerge, appelée chenille. Celle-ci grignote la coquille de son œuf. C'est son premier repas. Puis, elle s'alimente sur la feuille où elle est née. En automne, la chenille tisse un cocon et se transforme en une chrysalide. Elle se suspend à la tige. Commence alors sa première vraie métamorphose. C'est sous cette forme que cet insecte passe l'hiver. Au début du printemps, un jeune papillon sort de chaque nymphe, qui ne tarde pas à s'envoler. Il ne vivra plus d'un mois.